À l'issue de la première étape de la visite, le Premier ministre se prononce sur ce qu'il a vu dans les champs et bas-fonds rizicoles. On écoute Luc Adolphe Thiao. Le choix d'abord de la région a été dicté par notre souci de venir voir de près la situation effectivement de la campagne, parce que vous savez, c'est une région qui est généralement très bien arrosée, mais cette année il y a eu quand même une perturbation importante donc au niveau pluviométrique. Bon, au-delà de ça, donc, c'est de voir aussi des expériences originales, comme celle que nous sommes ici à Niaba, non loin de Diébougou. Je voudrais vraiment sincèrement féliciter M. Sommé Bertrand, qui vient de démontrer qu'à partir de sols pauvres, on peut tirer quelque chose. Parce que la récupération des terres fait partie, je crois, que l'une des politiques de notre gouvernement, étant donné que dans ce pays, bien sûr, la grande majorité de nos sols sont relativement pauvres. Alors là, je pense qu'à partir d'un sol aussi pauvre, ben, nous voyons un peu le résultat de ce travail de patience, d'investissement, et qui lui permet ici, de, par exemple, parce qu'il concerne le maïs, de pouvoir atteindre les 6 tonnes à l'hectare. Et nous avons vu également aussi d'autres spéculations comme le riz, le niébé et même le soja. Mais ce que nous pouvons dire, que ce soit M. Sommé ou les autres exploitants que nous avons vus ce matin à Oronkwa, nous avons vu à Ouizine, il se pose effectivement un problème aussi d'encadrement, il se pose un problème de moyens techniques pour permettre aux paysans de renforcer davantage leur production agricole. Et je crois que ces visites donc, nous permettent nous, d'améliorer nos politiques dans ce sens, parce que nous voyons que d'année en année, les décisions que nous prenons à l'issue de ce genre de tournée permettent d'apporter des solutions vraiment aux paysans.